Merci à vous d'être avec nous. Votre invité aujourd'hui est Thierry Mogenest, auteur du roman « Moi, Madison Washington » aux éditions Albin Michel. Thierry Mogenest, bonjour et bienvenue. Bonjour Guillaume. Thierry Mogenest, pour celles et ceux qui vous écoutent et qui vous découvrent, on va aller chercher cela. Eh bien, racontez-nous votre passion pour l'écriture. C'est arrivé quand ? Oh, ça remonte à très 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 longtemps, de plus en plus longtemps, puisque c'est à l'âge de 10-11 ans que j'ai voulu être écrivain. J'ai poursuivi cette idée fixe, voilà, tout au bout. Et je la poursuis encore, ma foi. Tant qu'on veut bien de mes livres, et puis même si on n'en veut plus, je pense que je continuerai à écrire quand même. Quels ont été peut-être vos auteurs préférés, fétiches, voilà, un mentor, comme on aime dire, qui ont pu aussi peut-être déclencher chez vous cette envie de passer l'autre côté ? Il y en a un, j'ai envie de dire malheureusement, il est de moins en moins connu. C'est Henri Bosco, un poète qui était installé en Provence. Et Henri Bosco, j'ai lu toute son œuvre. Parce qu'il a écrit en même temps pour les enfants et pour les adultes. Moi, je l'ai lu à 10-11 ans. Et effectivement, après l'avoir lu, je l'ai relu et je me suis dit, mais moi aussi, je vais écrire des romans. Bon, après, il est venu beaucoup d'autres auteurs comme Yourcenar, Proust, Camus. Ils sont nombreux. Mais le premier, pour répondre à votre question, c'était indéniablement Henri Bosco, oui. Comment est né votre roman ? Oui, on va parler du vôtre et cette fois-ci de votre livre, « Moi, Madison, Washington », oui. Je me suis fait une sorte de fonds de commerce de la réhabilitation de certains personnages inconnus de l'histoire, que ce soit l'histoire de France ou l'histoire mondiale. Donc, j'avais travaillé il y a quelques années sur Étienne de Silhouette, un grand philosophe des Lumières qui avait été totalement oublié. Ils avaient gouverné la France avant d'être chassés de l'histoire de France. Et puis, j'ai poursuivi ma route avec Zorzi Bafo, un poète vénitien. Aussi, une façon de présenter le dramaturge Goldoni. J'ai toujours aimé retrouver des personnages inconnu de l'histoire et Madison Washington, c'est un des héros de l'histoire américaine. Rien, aucun roman, aucun film, aucun documentaire ne lui avait jamais été consacré. C'est chose faite maintenant avec ce roman. Ça tombe bien pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Thierry Mogenest, c'est l'histoire de quoi, en quelques mots, votre livre « Moi, Madison, Washington » aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune esclave de 19 ans qui vient de se marier dans une plantation avec une autre esclave et qui décide d'être libre. Alors c'est une histoire vraie, absolument vraie. Je ne pourrais pas résumer en quelques mots toute son aventure parce qu'elle est incroyable. Il va traverser deux fois les États-Unis à pied, se réfugier au Canada, revenir, monter sur un navire, sur un voilier qui fait une liaison intérieure pour aller en Louisiane. Il va mener une mutinerie à bord, toujours par amour pour sa femme, pour la libérer. Et il va réaliser la plus grande évasion d'esclaves de l'histoire des États-Unis. Et il va être à l'origine de la guerre de sécession. Et ce personnage-là, comme je le disais à un instant, a été totalement oublié puisqu'il n'y avait aucune trace de lui dans l'histoire. J'ai dû aller chercher article par article, ce qu'on appelle les minutes des procès qui ont été tenus pour reconstituer toute son histoire. Quels sont vos futurs projets en termes d'écriture ou autre, Thierry ? Après avoir travaillé au 19e siècle aux États-Unis, c'est-à-dire très loin de chez moi puisque j'habite à Aix-en-Provence, après avoir travaillé sur Venise, sur l'Andalousie, pour d'autres romans, eh bien pour la première fois, je vais m'intéresser à un personnage qui est tout près de chez moi, puisqu'il s'agit du peintre Paul Cézanne, en allant chercher dans les archives, comme je le fais depuis plusieurs mois, pour évoquer un aspect méconnu du personnage de Paul Cézanne. Un aspect un peu mystique de ce peintre qui recèle beaucoup de mystères. Voilà. Donc c'est actuellement, je travaille là-dessus, mais tout en gardant un œil sur Madison Washington, parce que lui, il est en pleine réhabilitation, donc j'aimerais beaucoup qu'il soit connu aux États-Unis aussi, qu'on fasse un film là-dessus, que le roman ait le plus de lecteurs possible. Donc voilà, je suis sur ces deux fronts-là, l'écriture et la promotion. On rappelle, votre nouveau roman s'intitule « Moi, Madison Washington » aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Merci à vous.